Gap ou pas Gap ? Aujourd'hui dans le Gap ou pas Gap, je relève le défi d'Evelyne. J'ai trouvé des moutons, ils sont juste là. Et mon défi, c'est d'aller leur coller des autocollants DC Radio sur l'arrière-train. Et j'ai un temps imparti, donc ça c'est Vincent qui va me le donner. Et il faut que j'arrive à coller 3 autocollants sur 3 moutons différents. On y va. Bon Ludo, où êtes-vous ? Alors je suis sur la route de la Bativieille, Vincent. La route de la Bativieille. J'ai trouvé un champ. Oui. J'ai trouvé un champ. Alors il n'y a pas beaucoup de moutons, il y en a une quinzaine, mais alors le champ est immense, donc ça va être sympa. Il y a 15 moutons, le champ est immense. Vous avez l'occasion un petit peu de les apprivoiser depuis tout à l'heure ou pas ? Eh bien écoutez, j'ai essayé de me fondre dans la masse, de me mettre au milieu du troupeau, donc je suis à 2 mètres des moutons. Là, mais le problème, c'est que j'essaye de m'approcher, je barre. D'art, ah bah oui, c'est pas facile. Alors attention, vous avez les autocollants à la main ? C'est bon, je suis prêt. Allez, on y va, c'est parti, allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, je commence à attraper un mouton. Hop, déjà un autocollant, c'est bon. J'en ai déjà eu. C'est pas vrai. Alors, si, du premier coup, j'ai eu en flagrant comme ça. Je suis passé à côté de lui. Il m'a pas vu arriver. Alors là, hop, j'ai le deuxième autocollant. Ah oui, il me regarde bizarrement. Ouais, ben ça y est, je commence à recourir. Après, je vais y arriver, Vincent. Je vais y arriver. Il est ici. Ludovic est dans un champ. Il essaie de coller des autocollants d'ici radio sur l'arrière des moutons. Tout ça est filmé. Biquette, viens là ma petite biquette, viens. Non, elle veut pas. J'en ai collé un, c'est déjà pas mal maintenant. Combien de temps il me reste ? Allez-y, je vous laisse encore une petite minute. Allez, je vais essayer la manière douce. Hey, il est beau l'autocollant d'ici radio sur le mouton là. C'est plutôt sympa. Allez-y. Je vais l'avoir avec la caméra pour qu'il se voit au moins. Ah, je le vois. Allez. Ça vous fait faire votre footing du matin. Mouton. C'est bon ? Viens, deux moutons, il vous en reste encore un. Allez, il vous reste 30 secondes, Ludo. Allez. Allô, la liaison est pas très bonne. Hein. Si, c'est bon ça. On vous a retrouvé. J'en ai eu deux, Vincent. Deux. Bon, on va peut-être en rester là. C'est déjà pas mal. Hein. Je vais mourir. On va rester là. Votre petit cœur fragile. Bah écoutez, moi je vous l'accorde, franchement. Je vous l'accorde votre jour de congé, je vais en parler à la direction. Une fois, vous êtes trop fort, franchement. Merci beaucoup. Merci Ludovic, il a réussi à coller 2 autocollants à l'arrière d'un mouton en direct sur DC Radio dans un champ à côté de la Bativieille. Bravo, vous saluerez le berger de notre part. Bravo. Un jour de congé supplémentaire et à lundi pour d'autres défis. Merci, ramenez les images. Qu'on voit ça sur le site de DC Radio avant midi. Bravo Evelyne pour votre idée. Bye bye, merci. Et voilà, défi réussi. C'est qu'on vite les moutons. J'ai réussi à coller 2 autocollants. Bon, normalement, je devais en mettre 3. Vincent me l'a accordé. Parce que vraiment, j'ai galéré. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, bientôt pour un nouveau Gap ou pas Gap. Et n'hésitez pas à me laisser toutes vos idées de défis sur le Facebook du Gap ou pas Gap et sur contact@dici.fm. À demain. Gap ou pas Gap.